Salut les constructeurs! C'est parti pour découvrir le musée Oscar Niemeyer. C'est un musée sur l'architecte Oscar Niemeyer, comme son nom l'indique, situé à Curitiba, au Brésil. Ce musée a été conçu par Oscar Niemeyer à partir de 1967. Il comporte une structure en béton. En 1967, Niemeyer conçoit l'Edificio Presidente Umberto Castelo Branco. Puis vers 2000, Niemeyer rajoute une structure de plusieurs étages, ressemblant à un œil ou à une soucoupe volante surélevée avec un pied. On y accède grâce à une rampe ellipsoïdale. Une fois cette partie terminée, le bâtiment est transformé en musée qui sera inauguré le 22 novembre 2002, l'année des 95 ans d'Oscar Niemeyer. Le bâtiment se constitue de 8 salles d'exposition temporaires sur l'architecture, les arts visuels, le design et la sculpture, et il s'étend sur 19 000 m². On y trouve un café et une boutique. Le grand jardin du musée a été conçu par l'architecte paysagiste Roberto Burle Marx. L'exposition permanente sur Oscar Niemeyer se situe au sous-sol. On y trouve les maquettes de ses projets et des photos. Oscar Niemeyer est un architecte brésilien qui a vécu de 1907 à 2012. Il a reçu la récompense du prix Pritzker et a conçu de nombreux monuments comme la cathédrale de Brasilia, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Il a également conçu le musée d'art contemporain de Niterói, le volcan du Havre et le Congrès national du Brésil. Il a également écrit des livres, comme par exemple Les courbes du temps, Mémoire. J'espère que cette découverte sur Niemeyer vous a plu. Sur ce, à la prochaine!